Congo à venir. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres pour notre pays. C'est un jour bien particulier. Aujourd'hui est un jour sombre, un jour qui nous rappelle l'étendue des souffrances qu'a enduré la République démocratique du Congo en tant que nation. La longueur du fleuve de sang engendré par la folie humaine dans les basses vallées surplombant nos vertes collines de la partie est de notre pays. Aujourd'hui est un jour triste où la nation tout entière s'arrête pour se souvenir des millions et des millions de ses filles et fils qui ont été fauchés par la barbarie et la haine. Les massacres de Makobola, Kiwanja, Kishishe, Mugunga ont été les révélations de l'horreur et de l'abomination que certains humains peuvent commettre sur d'autres humains. Les combles de cette tragédie a eu lieu à Kisangani, où deux armées étrangères, telles une meute de loups, ivres et aveuglées par la soif de sang et de la chair, se sont mis à s'affronter avec des armes lourdes en pleine ville, nuit comme jour, faisant des milliers de victimes au sein d'une population qui n'avait alors besoin que d'une seule chose, la paix. 7 000 à 10 000 obus sont tombés sur Kisangani entre août 1999 et juin 2000. L'ONU, à travers les conseils de sécurité, était obligée de voter la résolution 1304. Exigeant les retraits des terres congolaises, des troupes rwandaises et ougandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. Depuis 30 ans, notre pays fait face à des pires tueries de masse, à des crimes graves contre l'humanité, qui n'ont pas de nom, tant ils sont cruels et atroces. Alors, un nom a été trouvé pour le désigner, les génocides.
en la mémoire de toutes les victimes, celles d'hier et celles d'aujourd'hui, en la mémoire des vaillants militaires congolais qui sont également tombés, armes à la main, pour défendre la patrie, notre patrie. Je sollicite une petite minute de silence, si vous le permettez. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les génocides est sans nul doute l'un des plus grands crimes commis au cours de ces 50 dernières années. Crime perpétré en terre congolaise par un homme et un régime dont les responsables ne pourront plus, à la lumière des rapports documentés de l'ONU, échapper à la justice internationale. Et la participation de leurs complices congolais qui ont fait le choix de trahir leur nation et de collaborer avec l'ennemi n'est pas de nature à changer la donne. Eux aussi devront rendre compte de leur lâcheté devant la justice, tôt ou tard. Ces crimes sont des crimes uniques par leur ampleur. Plus de 10 millions d'hommes et de femmes exterminés parce que congolais. Et combien d'autres jetés en exil, loin de leur terre. Plus de 10 millions, parmi lesquels des millions d'enfants et de vieillards. Ces crimes sont aussi uniques par leur méthode de massacre à la pelle, au gourdin, à la trique, des décapitations collectives, des femmes enceintes violées et éventrées, des jeunes filles violées à la chaîne, puis découpées en plusieurs morceaux, des hommes brûlés vifs ou enterrés vivants, mains et jambes liées. Voilà ce qui s'est passé et qui continue à se passer en République démocratique du Congo, en plein 21e siècle. Ces crimes sont aussi uniques par leur nature. Il s'agit d'exterminer le plus possible des Congolais, d'instaurer la peur et la terreur sur les différents territoires visés afin d'exploiter facétieusement et illégalement les ressources naturelles de notre pays, le minerai du sang, les génocides, nous placent ainsi devant ce vaste miroir de la vérité pour que nous ne puissions rien oublier. Car oublier serait faire insulte à toutes ces millions de victimes qui sont morts, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient, des Congolais. Oui, c'est un génocide. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette deuxième commémoration se tient, ainsi que chacun le sait, pendant que notre pays fait encore et toujours face aux mêmes agresseurs, comme si ce qui s'est déjà passé ne suffisait pas, comme si ce nombre incalculable de victimes n'était pas assez. Le comble, c'est que l'ennemi hier cagoulé opère désormais à visage découvert. Le mobile reste le même et les méthodes n'ont pas changé. Utiliser quelques Congolais pour essayer de légitimer leur forfaiture. Sauf que cette méthode ne passe plus. Plus personne n'est dupe. Et tout le monde a déjà tout compris, hélas. Tous les massacres sont documentés de manière factuelle par les experts, notamment de la communauté internationale. Non, les agresseurs ne pourront plus échapper à la justice internationale.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fidèle aux idéaux de paix qui caractérisent notre pays, a affiché sa bonne foi et sa volonté de construire une paix véritable dans la région. Nos lâches ennemis abusent de cette bonne foi. Toutefois, le chef de l'État rassure à toutes les Congolaises et à tous les Congolais que notre résistance et notre résilience viendront à bout de nos agresseurs. Notre République n'abdiquera pas face à ces méprisables tueurs. Elle triomphera. Tous les moyens seront mobilisés afin de défendre la nation. Lors de la première commémoration, le 2 août 2023, il avait annoncé un jour nouveau qui s'élevait et un espoir qui renaissait pour nos victimes en les rassurant que plus jamais elles ne seront seules. Ce cri du cœur de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est devenu aujourd'hui la devise pour toute action dédiée à la protection et à la promotion des droits des victimes. À travers de l'engagement du Président de la République, votre gouvernement, sous la direction de la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka, a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour ce faire. Sur le plan institutionnel, nos efforts ont conduit à la mise en place d'un écosystème de réparation avec la création du fonds des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, et du Fonds spécial des réparations et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO. Ces établissements publics sont respectivement sous tutelle du ministère des droits humains et de la justice. Pour proposer des réformes et veiller à la mise en œuvre des programmes de réparation en faveur des victimes, la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes SIAVAR fonctionne sous l'autorité directe du chef de l'État comme organisme public. Aussi, le président de la République a-t-il assumé tout son engagement pris devant les victimes. Il n'y aura aucune tolérance en cas de faute ou de compromission dans les chefs des animateurs des organismes qu'il vient de désigner. Mesdames et messieurs, distingués invités, il va sans dire que la réparation seule ne suffit pas. La justice doit passer. La vérité doit être faite et la garantie du plus jamais ça donnée. C'est dans cette dynamique que le garant de la nation a impulsé la mise en œuvre de la justice transitionnelle dont le processus est appelé à se poursuivre. La SIAVAR, l'une des structures techniques dédiées aux réformes dans ce domaine, devra travailler en collaboration avec le ministère des droits humains et celui de la justice, ainsi que le comité scientifique pour une réappropriation de la politique nationale de la justice transitionnelle
et de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux de sa mise en œuvre. Toujours dans le souci de voir ces crimes internationaux réprimés, le gouvernement poursuit actuellement le plaidoyer visant la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Nous appelons vivement nos partenaires internationaux à soutenir cette initiative. Dans le cadre des garanties de non-répétition, il est nécessaire que nos institutions, à savoir le Parlement et le gouvernement de la République, travaillent en synergie afin de prendre des textes législatifs ou réglementaires, selon le cas, visant à écarter systématiquement les auteurs congolais des dix crimes de l'accès à des charges publiques. Les recettes autrefois connues visant à les rassurer de l'impunité, notamment à travers des lois d'amnistie ou d'intégration au sein de l'armée, de la police, des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus jamais à l'ordre du jour dans notre pays. Seule la justice élève une nation. Mesdames et messieurs, le message du chef de l'État à travers la première ministre que je représente ici est celui de l'espoir et de détermination. Ce message que je porte s'adresse directement aux millions de victimes de cette barbarie. Ce message s'adresse aux veuves, aux orphelins, aux familles déchirées, à des millions de citoyens qui ont vu leur destin être brisé, à des millions d'enfants qui ont vu leur avenir s'effondrer. Il leur adresse un salut républicain et leur rassure que la République ne les oubliera pas et se tiendra toujours à leur côté. Il appelle toute la nation à la solidarité et à l'unité, tout en indiquant et en insistant que c'est ensemble que nous surmonterons ces épreuves et que nous bâtirons un avenir meilleur pour tous. On peut parfois s'interroger sur comment dirige-t-on un pays, continent comme la RDC, avec toutes ces réalités macabres, et arriver quand même à trouver du sommeil. Comment? Et à cette question, personne ne saurait vraiment y répondre. Voilà pourquoi, si la salle est d'accord, je sollicite que nous rendions, on le fait rarement, hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous vos applaudissements, Commandant suprême des FARDC, sur les épaules de qui repose et pèse le fardeau du rétablissement et de la restauration de la paix dans notre pays. Hommage également, sous vos applaudissements, à nos vaillants militaires qui se battent au front et qui font tout pour que la RDC reste la RDC, bien malgré les difficultés. Ne vous fatiguez pas. Hommage également au peuple du Kivu, de l'Ituri, aux patriotes résistants qui se battent avec dignité et honneur pour défendre la patrie, bien malgré tout. La République démocratique du Congo avance quand elle est
rassemblés autour des valeurs et des idéaux communs. Rassemblés, unis, n'empêche pas les différences d'opinion. Elles sont légitimes. N'écarte pas la diversité. Elle est salutaire. Le débat démocratique est nécessaire. Mais au-delà de tout, au-delà de nos intérêts politiques, au-delà de nos ambitions, au-delà de nos partis politiques, il y a la République, il y a le Congo, notre bien le plus précieux, la République démocratique du Congo, unie et indivisible. Alors, à tous nos concitoyens, et à vous qui êtes ici, témoins de cette tragique histoire, je vais dire au nom du gouvernement que la République, oui, la République, se battra corps et âme afin de protéger tous ses enfants, sauf aucun. Dans un de ses plus beaux livres, Patrick Modiano, prix Nobel de littérature, écrivit, je cite, « Il faut longtemps, très longtemps, pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. » Fin de citation. C'est cette lumière de l'espérance et de dignité de celles et ceux qui ont vécu dans leur chair ces drames, de celles et ceux qui ont survécu et qui résistent face à l'ennemi que nous sommes appelés à porter. Cette lumière que nous devons porter tous ensemble face aux nuits qui menacent encore, qui menacent en Ituri, qui menacent au Kivu, à Goma, à Bukavu, qui menacent partout. Mais nous sommes là. La République démocratique du Congo est là, debout et éternelle. Que Dieu protège notre pays et son peuple. Vive le Congo. Je dis et je vous remercie. Congo Avenir, Mokaya Bakongo.